Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, une lecture générale. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour les emails que vous m'envoyez et veuillez s'il vous plaît partager mes vidéos au maximum. Ok. On va donc commencer, voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Hi, angels, please give me a reading for... Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian. Les cancers. Les cancers, oui, c'est une partie d'entre vous. On est ici dans une situation où vous avez décidé de changer beaucoup de choses. Vous avez décidé de changer beaucoup de choses qui sont en rapport avec vous, en rapport avec vos relations avec certaines personnes. Vous avez décidé de changer votre manière de procéder, votre manière de penser, votre manière d'accepter les gens dans votre vie, votre manière peut-être même de voir ce que c'est qu'une relation amoureuse à soi. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a une certaine importance pour vous à soi, il est probable que vous voyez cette personne différemment. Les émotions même que vous ressentez pour cette personne sont plutôt chamboulées à l'intérieur de vous, si c'est français. Ces émotions-là que vous ressentez pour ce partenaire sont sans dessus-dessous. Pour une autre partie d'entre vous, vous ne savez plus vraiment où vous mettre, vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez, vous ne savez plus vraiment comment faire avancer une relation à soi avec un partenaire, une relation qui a un rapport avec une amitié. Pour d'autres, c'est... La débandade. Attendez d'abord. Je crois que c'est la débandade ou la débandade. Whatever. Ok. Mais dans un certain sens, vous n'avez plus envie de faire les choses de la manière dont vous les faisiez avant. Ou vous n'avez plus envie que les gens vous voient de la manière dont ils vous voyaient avant. C'est la partie dont vous êtes ici en train de passer par une transition. Une transition qui a un rapport avec votre vie. Une transition qui a un rapport avec votre destin. Un rapport avec ce que vous-même vous voulez réellement de votre vie. On a ici une certaine partie d'entre vous. Pour une certaine partie d'entre vous, certaines personnes risquent de devoir faire face à un choix, à une décision qui va carrément changer leur trajectoire, changer la finalité de leur situation. On a ici quelqu'un qui se dit, je ne peux plus accepter ce que j'acceptais auparavant. Et on a aussi ici quelqu'un qui se dit, je ne peux plus, redonner une deuxième chance ou redonner une troisième chance. Peut-être même que c'est la cinquième chance, ma chérie. À quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ce priest est parti d'entre vous. Vous êtes donc ici en train de passer par un combat contre vous-même, un combat contre vos émotions, un combat contre votre routine de faire les choses, votre habitude d'accepter les choses, votre manière, you know, like, vous avez une certaine confortabilité à faire les choses. Une certaine confortabilité à confronter quelqu'un
il faut que je change cette phrase. C'est pas confortabilité à confronter quelqu'un. Une certaine confortabilité dans la manière dont vous confrontiez ou dont vous confrontez quelqu'un all the time. Si vous êtes ici déjà en couple avec une personne où il y a des possibilités d'une relation avec quelqu'un, il y a un certain combat interne entre vous et cette personne qui est en rapport avec ce que vous désirez vraiment dans une relation. Pour d'autres, vous avez pour habitude de laisser une personne dominer la relation, dominer la manière dont cette relation avançait, dominer everything. Aujourd'hui, vous vous battez contre vous-même parce que vous ne pouvez plus accepter les choses que vous acceptiez dans le passé. Il faut que ça change. Pour d'autres, il est même probable que ce combat-là que vous avez contre votre personne, mais aussi contre certaines personnes de votre famille ou des gens qui sont autour de vous, c'est ici un combat que vous-même vous aviez décrété comme nouvelle résolution de cette nouvelle année dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, même ça n'a rien à voir avec la nouvelle année. Ça a plus à voir avec ce que vous ne voulez plus être. Whatever. Je suis fatiguée que les gens me voient comme telle. Je suis fatiguée que les gens me traitent comme telle. Je suis fatiguée que les gens me manquent de respect. Je suis fatiguée que les gens ne tiennent pas leurs promesses. Je suis fatiguée qu'on me marche sur les pieds dans un certain sens pour d'autres. Si on est ici dans une situation qui a un rapport avec la carrière, il est probable que vous avez décidé de montrer aux gens de quoi vous êtes capable ou encore vous avez décidé de ne plus vraiment vous laisser trimballer de gauche à droite par un patron, par une patronne. Pour d'autres, faites attention à ne pas dire des choses ici qui vont faire, on va vous renvoyer. Whatever. Mais dans un certain sens, il y a ici un purge que quelqu'un est en train de faire quand il s'agit de son entourage. On a ici quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir les mêmes amis, qui n'a plus envie, you know, d'expérimenter les mêmes situations. J'en ai ma claque. Puis une autre partie d'entre vous, vous avez décidé de penser qu'à vous, désormais. Et ce n'est pas facile. On a certaines personnes qui vont penser que vous êtes combative, combative. Combative, combative, whatever. Molière n'est pas mon père. So. On a ici certaines personnes qui vont penser que vous êtes combative. On a ici certaines personnes qui vont penser que vous aimez trop vous disputer, que vous aimez le drame. Mais c'est juste que vous avez votre intérêt personnel à protéger. Vous avez votre honneur à protéger. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est ici, une situation encore une fois qui a un rapport avec une relation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez, mais qui vraiment c'est une relation de merde toxique. On ne sait même pas où la situation s'en va. Vous avez décidé de partir, d'ignorer une personne. Ou même si quelqu'un vous cherche après, même si quelqu'un essaie de vous joindre, vous avez juste décidé de sauter du bateau, sortir d'une situation. Je n'ai plus envie de perdre mon temps dans les choses qui n'ont pas de sens. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquez sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les béliers, les lions et les sagittaires. On a aussi les verseaux. Bisous, bye.